Et salut tout le monde, c'est Sanji 30000 et bienvenue pour une nouvelle aventure sur Mario Golf Super Rush. Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau let's play. Enfin, je pensais que Nintendo et Camelot allaient proposer une démo pour le jeu, mais en fait pas du tout. Donc voilà, il est sorti. Eh bien actuellement on est le 25 juin, voilà, le vendredi 25 juin, tous les jeux Nintendo sortent le vendredi. Et du coup, ben voilà, ce jeu est entre mes mains, donc on va commencer cette petite aventure. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, hein, vraiment, je ne me suis pas spoilé, etc. Je sais qu'il y a un mode aventure, donc aventure Golfix, ça va être sympa, mais après je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je m'attends quand même, oui, il y a un petit peu d'attente quand même sur ce jeu. Je m'attends vraiment à avoir un jeu avec un contenu quand même très bas, voire très moyen, parce qu'on sait tout simplement qu'il va y avoir eh bien, des mises à jour gratuites dans le futur où ils incluront de nouveaux personnages, peut-être même de nouveaux stages, etc. On a vu New Donk City, on n'a pas encore vu les nouveaux personnages, mais en tout cas, le jeu est sorti avec très peu de contenu. C'est un petit peu comme Mario Tennis Aces, je m'attends à cette même durée de vie. Donc c'est-à-dire qu'on fera 10 épisodes sur le mode aventure, et puis... Ben, tous les mois dans Mario Tennis Aces on avait de nouveaux personnages, donc peut-être que tous les mois on aura encore de nouveaux personnages, enfin j'en sais rien. Bref, on est parti pour le mode aventure golfique. Je n'ai jamais joué à un Mario Golf de ma vie, ça va être tout nouveau pour moi, donc j'espère que eh bien, le gameplay va me plaire, etc. J'ai vu quelques vidéos sur le Mario Golf de la 3DS, il y a très longtemps quand même, mais je n'ai jamais touché à un Mario Golf de ma vie, donc c'est une première pour moi. Donc, eh bien, écoutez, on est parti. Et je tiens à vous dire quand même que la cinématique d'intro est incroyable. Hein. Alors, je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas Pauline dans cette cinématique. Mais sinon, attendez, il y a le roi Bob-omb qui se fait exploser, etc. C'est un kamikaze, en fait. Hein. Il faut savoir que quand le roi Bob-omb, normalement, il explose, bah, il a disparu pour toujours, en fait, tout simplement. Donc, on ne sait pas trop où il est. Alors, je peux choisir mon Mi, bien évidemment, ou le Mi de ma sœur, Jao.
Non, je vais prendre mon Mi, tout simplement. Jouer avec ce Mi. Mais qu'est-ce qu'il est classe, mon Mi, avec son petit polo, là, de golf. Alors, le golf, c'est pas du tout un sport qui me fait vibrer, hein, on va dire ça clairement. Autant, le tennis, c'est pas du tout ma cam, mais au moins, les Mario Tennis, bon, c'est cool. Les Mario Golf, j'aime pas le sport, et je sais pas à quoi m'attendre, donc je sais pas trop. Alors, jouer avec ce Mi, bah oui, bien évidemment, et on est parti. Et là, il ne fallait pas éteindre, on voulait encore regarder. Oh, pardon, j'ai cru que le match était terminé. Ok, salut Birdo. Ouais, Mario venait de gagner avec un coup tellement fou que je suis pas sûr d'avoir bien tout compris. Je voulais voir la scène repasser au ralenti pour analyser l'action. Ne fais pas la tête, Bill. La cérémonie de demain est bien plus importante que de regarder la télé. Ouhou, Birdo a raison. On devrait bien se reposer cette nuit. Je sens qu'il va falloir être en forme demain. Ah, merci Bou, ça fait plaisir de constater qu'il y a quelqu'un de raisonnable ici. Pff, je dormirai quand je serai fatigué. Et puis, ça dort un fantôme. Tu réussis à ne pas passer à travers le lit? Enfin, Bill, on ne pose pas ce genre de questions, voyons. Bon, moi je vais dormir. Je veux faire bonne impression à la cérémonie d'accueil demain. Très bonne idée, Toadette. Quant aux autres, vous feriez bien de suivre son exemple, si vous ne voulez pas être des cancres. Bah, moi, mon point fort, c'est l'overdrive. Sur les Link, elle pourra toujours courir pour me rattraper, Toadette, haha. Non mais, de quoi il parle? La force brute ne suffit pas à gagner. Il faut savoir aussi se maîtriser et ne pas avoir peur de jouer un petit lay-up. Non mais, de quoi vous parlez? Arrêtez, je suis totalement exclu de cette conversation, je ne connais pas les termes techniques. Bouhouhou, vous avez tous les deux tort, le maître mot du jeu, c'est la finesse. Oh, te voilà, on n'attendait plus que toi, approche. Oh, je suis tellement petit comparé à Birdo. Cher golfeur, je vous présente le dernier membre de votre groupe, Sanji. Quoi, encore quelqu'un? Tu as entendu ce qu'on a dit? Pardon, je voulais dire, ravi de faire ta connaissance. Oui, la fédération de golf m'avait prévenu qu'une autre personne arriverait un peu en retard. Bah, plus on est de fous. Mais au fait, que vaut ton swing? C'est quoi ton meilleur drive? On sort se mesurer sur le green? Ne fais pas attention à lui, il a une balle de golf à la place du cerveau. Allons, allons, vous allez vous entraîner ensemble, alors faisons les présentations, d'accord? Yo, Bulldozer, je frappe fort, bam! Peu importe où va la balle, tant qu'elle va loin, hi-ha! Moi c'est Toadette, je suis ravi de rencontrer un nouvel adepte du golf, on va pouvoir s'épauler. Je suis Bou, oui, Bou! Et je boue d'impatience de démarrer l'entraînement. Ouhouhou! Quelqu'un a autre chose à ajouter? Ouais, je vais aller faire un peu de muscu, parce que pour être le roi du green, faut des muscles de platine, tout à fait. Et moi, je vais me coucher. Pour des muscles en plateforme, il faut bien se reposer. Bah, les basses considérations musculaires des êtres de chair et d'os. Ouhouhou. De quoi il parle? De quoi il parle? Les blagues de fantômes, incroyable. Eh bien, ça nous fait une drôle d'équipe tout ça. Mais alors attendez, excusez-moi, mais je vais mettre mon veto tout de suite. Toadette n'est pas jouable dans le jeu, hein, donc qu'est-ce qu'elle fout là? Je ne sais pas. Bon, peut-être qu'elle sera ajoutée plus tard dans les DLC ou dans les mises à jour, j'en sais rien. On verra comment le jeu se porte dans un an, on va dire ça comme ça. Mais je m'égare. Et d'ailleurs, Birdo aussi, ça serait cool de l'avoir en perso jouable. Elle était d'ailleurs présente dans une des mises à jour de Mario Tennis Aces, elle n'était pas disponible dans le roster de base, mais elle a été ajoutée plus tard, donc je pense que ça sera un petit peu la même chose pour elle et Toadette. Mais je m'égare, tu dois être épuisé. Alors oui, je sais que Birdo est un garçon, hein, oui, mais bon, vaut mieux l'appeler elle, quoi. Pardon, je ne me suis même pas présenté. Ah, ben, regardez, elle se genre au féminin. Donc voilà, il faut lui dire que c'est une fille à Birdo. Je suis Birdo, et je m'occupe de tout ce petit monde, comme une maman. Alors, ta chambre est tout au bout du couloir. Demain aura lieu la cérémonie d'accueil des novices. Repose-toi bien, ok? Oula, Joy-Con Drift. Alors, très bien. Donc ça, c'est la chambre de Bulldozer. Incroyable, chambre de boue. D'ailleurs, on se demande ce que fout Bulldozer dans le jeu. Hein, mais bon, c'est pas grave. Et ça, c'est ma chambre. Petite transition, casquette de Mario, incroyable. Et on va se coucher. Bah oui, bien évidemment.
J'aime bien, au moins on peut se déplacer et tout, c'est plus sympa que le mode histoire de Mario Tennis Aces quand même. Allez retrouver le directeur du club devant le club. Ok, bon bah d'accord. Alors qui va être le directeur du club? Est-ce que ça va être un Mii ou ça va être genre, je sais pas, un Koopa, un Goomba, un Paratroopa? On verra bien. Oh, tu t'es levé, bonjour Sanji. Regardez là comment elle marche. Tu as bien dormi, j'espère que tu es en pleine forme. Bah oui. Ah, tant mieux, tu semblais avoir besoin de repos. Alors je ne t'ai pas réveillé, mais tu vas être en retard pour la cérémonie d'accueil. Sors vite et suis la route. Allez, dépêche-toi. Bah d'ailleurs, excusez-moi, mais mon Mii, il a dormi habillé. Oh, une dernière chose. Non mais arrête, t'es pas une maman dans Pokémon là, tout le temps nous arrêter. Tout le village est au courant que de nouvelles recrues sont arrivées. Tous les regards seront braqués sur vous, les jeunes espoirs de demain. Alors, efforce-toi de faire de ton mieux, mais y du tien, et tout se passera bien. Ok. D'accord, bon bah le mode histoire a l'air d'être plutôt long. Enfin, je peux rien dire pour le moment, mais en tout cas... Bah écoutez, ils ont l'air d'avoir bossé quoi. On peut bouger la caméra, regardez-moi ça, c'est encore plus joli que Pokémon épée et bouclier. Alors que le jeu a eu moins de temps de développement, c'est fou ça. Non mais regardez-moi ça, c'est beaucoup plus joli que Greenberry déjà. Bon bref, et en plus il n'y a pas de clipping, comparé à Pokémon épée et bouclier. Mais bon, on va rien dire, allez. Bonjour et bienvenue au village d'Erascott, berceau du golf au royaume champignon, cher jeune recrue. Tu as dû déjà l'entendre moult fois, mais ce lieu est légendaire sacré. On ne compte plus le nombre de joueurs qui sont arrivés rookies et qui sont repartis héros. D'accord, très bien. Oh, tu dois être ce nouveau rookie dont j'ai entendu parler. Sanji, non? Ouais, rookie, c'est débutant. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Tu as du talent à revendre à ce qu'il paraît. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Bon, bah très bien, merci. Oh, Topi! Topi-Top, incroyable! Salut, Topi-Top. Le golf, c'est une passion qui vit au plus profond de moi. Il est donc logique que moi, je vive au plus profond du terrain de golf. Bon, bah, écoute, Topi-Top, rejoins le roster du jeu, hein, quand tu veux. Après ta petite venue dans Super Mario Party... Alors, attendez, et dans Mario Kart Tour aussi. Qu'est-ce que... Attendez, c'est un Koopa du Klu Klux Klan, là, ou quoi? Excuse-moi, qui es-tu pour oser pénétrer dans ce jardin? Si c'est pour l'entretien, tu es en retard. Je t'attendais depuis longtemps. Maître Lob, tu n'as pas l'air d'un jardinier, pourtant. Qui es-tu donc, alors? Ah, tu es un golfeur, dis-tu. Tu viens donc me voir pour parler de golf, je suppose. Pff, encore et toujours la même chose. Ok. Eh bien, mon nom est Maître Lob, ne me confonds pas avec d'autres individus au nom proche. Tiens, au fait, quelqu'un t'a parlé de moi? Bah non. Tu m'as rencontré par le plus grand des hasards, sans que quiconque t'ait guidé vers moi? Ah, voilà qui ne paraît pas du tout suspect. Bon, tu es là, ok, mais je n'ai aucune obligation de t'enseigner mon savoir. Rentre chez toi, sauf si tu veux m'aider à jardiner. Bénévolement, bien sûr. Et toi? T'auras un grand avenir dans le golf, je le lis sur les lignes de ton visage. Rappelle-toi ma prédiction quand tu seras un champion. D'accord, ben on te reparlera quand je serai devenu champion. Salut. Et Erascott, c'est l'endroit idéal pour s'initier au golf. Tu t'en rendras vite compte par toi-même. Non mais, très bien, mais... Il faut que j'aille où? Attendez, je peux pas passer par là, c'est une blague. Faut que je fasse le tour. N'importe quoi. Bon, toi. Ah, tu fais partie des rookies, non? Je crois qu'il y a en ce moment une cérémonie d'accueil qui se prépare devant le clubhouse. Non mais, ah, laisse-moi passer, merci. Tiens, on n'attendait plus que toi. Tu es bien Sanji, n'est-ce pas? Ah, c'est un frère... C'est quoi ça? C'est un frère boomerang? Oh, les jeunes recrues, la cérémonie d'accueil va commencer. Alors tous en ligne et que ça saute. Ok. Eh bien, monsieur le moniteur, on dirait que tout le monde est là à présent. Bienvenue, chère nouvelle recrue. Ou devrais-je dire, chère rookies. J'imagine que vous connaissez tous la glorieuse histoire de notre club. Vous n'ignorez donc pas que le golf d'Erascott est le berceau qui a vu éclore d'innombrables golfeurs légendaires. Mais de qui vous parlez? J'espère que vous réalisez votre chance. Vous aussi allez pouvoir ajouter votre chapitre à la légende du vénérable golf d'Erascott. Je crois qu'il y a un problème là. Vous aussi allez pouvoir. Ça ne veut rien dire. D'accord, bah très bien. Je me présente, je suis le directeur de ce club. Ok. Vous venez de faire connaissance avec notre moniteur chef. Je pense pouvoir affirmer que c'est un formateur exceptionnel. Sachez qu'il a déjà lancé la carrière de nombreux pros. Mais de qui est-ce qu'il parle? J'en ai marre, je veux savoir. Merci patron. Bien, si vous êtes ici, c'est que vous avez du potentiel, un avenir dans le golf. Mais ça ne sera pas facile. Je vous aiderai à développer votre talent, certes, mais il va falloir travailler dur, très dur. Bien, je vais maintenant vous distribuer ceci.
Oh, une montre connectée, une Apple Watch, incroyable! Elle consigne vos activités, vos scores et propose plein d'autres fonctions utiles. Venez récupérer la vôtre à l'appel de votre nom. Bulldozer, yo! Non mais dépêchez-vous par contre, il paraît que tu sais frapper fort. Voyons si tu peux aussi apprendre à frapper bien. Frapper bien, pourquoi? Ça me fera frapper encore plus fort. Ok, il est un peu débile. Toadette, présente! Oh la faillotte, il paraît que tu es futé, comme pour les échecs. Au golf, il faut de la tactique. Alors, j'ai hâte de voir de quoi tu es capable, gamine. Je vais faire de mon mieux, monsieur le moniteur. C'est bien, Eleonore, on est content. Oh la, vraiment la faillotte. Bouh! Wouhou! Il paraît que tu as un talent surnaturel pour les frappes bien contrôlées. Voilà qui peut pallier un manque de puissance. Un manque de puissance? Je vais vous montrer ce que c'est que la puissance, moi. Oh, de puissance physique? Là, oui, d'accord. Ouh. D'accord. Et enfin, Sanji. Il paraît que tu es un véritable prodige, mais un prodige en herbe, un peu comme le green. Haha. Ouais, garde tes blagues pour toi, par contre. Bien, les présentations sont faites. Enfilez tous votre montre au poignet. Vous en aurez toujours besoin. Yes, on a activé la montre connectée en Bluetooth, incroyable. La montre connectée contient déjà vos données, c'est magique. L'écran qui s'affiche au démarrage est assez simple. Il comporte pour l'essentiel un aperçu de votre profil et de vos aptitudes. Ces merveilles sont ultra sophistiquées. Il vous faudra donc un peu de temps pour en découvrir toutes les fonctions. Il faut à présent que je vous explique le principe des bagages. Celui que vous avez a un aspect tout simple, parce que vous n'avez encore que le badge de golfeur le plus basique, le badge acier. Lorsque vous obtiendrez le badge platine, vous serez au sommet de la pyramide de vrais pros. Et pour améliorer votre badge, vous devez participer à des tournois. Votre montre connectée se mettra alors à jour automatiquement. Merci pour cette présentation. Je vais maintenant vous présenter un autre membre important de notre équipe de formation. Ah, Todd! Bonjour tout le monde, je suis Todd et j'attendais ce moment depuis longtemps. Le golf a plus de succès que jamais au Royaume Champignon. Le tournoi d'hier était palpitant. Mais pour perpétuer ce sport, nous avons besoin de talents en gazon. Enfin, pardon, je veux dire en herbe. Pas seulement de nouveaux pratiquants, mais aussi de nouvelles têtes au classement. Et c'est là que vous entrez en jeu. Si on vous a sélectionné, c'est parce que vous avez du talent. Alors, qui sera la prochaine star? Au fur et à mesure de vos progrès, les résultats de vos parties de golf seront automatiquement transmis et comptabilisés par votre montre. Vous devez vous entraîner sans relâche pour perfectionner vos compétences. Écoutez bien les conseils de votre moniteur. Mais si on se donne les moyens, rien n'est impossible. Peut-être que la prochaine légende de ce club, ce sera vous. Voilà qui conclut notre cérémonie d'accueil. Je vous dis à bientôt, sur les parcours. D'accord. Oh Sanji! Le caddie master voudrait te voir avant que tu n'ailles au practice pour l'entraînement. C'est quoi ça? Suis le chemin sur la gauche, tu ne le regretteras pas. Je n'en dis pas plus, je veux pas gâcher la surprise. Fais vite qu'on puisse passer aux choses sérieuses, ok? Alors attendez, le Pratix Maxter, je sais pas quoi, de quoi y parler. Appuyez sur plus pour ouvrir le menu de votre montre connectée depuis celui-ci. Vous pouvez retourner au menu principal en appuyant sur Nana. D'accord, ok. Oh, Erascot. Alors il y a 5 gros environnements dans le jeu. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il y a 5 gros environnements. Le château de Bowser, une forêt, un désert et une montagne, j'ai l'impression. Ouais, ok, avec un lac. Donc, il faut que j'aille là-bas. On suit la flèche, hein, et on se tait. Et Sanji! Ah bah c'est lui le caddie master. Tu es bien Sanji, si je ne m'abuse. Je t'attendais! Oh, je te rassure, c'est pas pour te gronder, hein. Je voulais juste que tu viennes chercher ton barda. Tu es là pour ça, n'est-ce pas? Ouais. C'est un oui! Ou juste un bafouillage confus. Tu n'as aucune idée de quoi je parle, pas vrai? Je t'ai fait venir pour te remettre ton premier jeu de club. Oh! Alors, quand tu joues ici, tu dois courir après ta balle sur tes petites jambes. Désolé, tu n'as pas le droit aux voiturettes. Pourquoi j'ai pas le permis? Pas facile de trimballer tous ces clubs à la fois, tu te dis? Bah, t'en fais pas. On ne te demandera pas non plus d'emporter 14 avec toi. Enfin, 14 clubs. Là, je t'en ai sélectionné 7, ce qui fait un demi-jeu de club. Tu peux en porter davantage si tu veux, mais tu seras moins rapide. Bien, j'ai suffisamment jacassé. Ce sac de golf est pour toi. Tu peux tout de suite le mettre sur ton dos. Ok! Yes! Il est content, mon Mi. Vous avez obtenu un jeu de club de golf! Ouais! Allez, tais-toi, s'il te plaît. Il te suffit de venir... Ouais, d'accord, tais-toi. Alors, je suppose que lui, on va pouvoir lui acheter des trucs. Je terminerai en te demandant de prendre le plus grand soin de ses clubs. C'est entendu?
Mais oui, bon, après, il y a trop de parlotte, hein. C'est bon, c'est un jeu de golf, hein. C'est pas non plus... c'est pas non plus un JRPG. Allez. Enfin, même si ça a des fonctions un peu RPG. Oh, qu'est-ce que tu veux, Masque Bleu? Certains disent qu'ici, à Erascot, on apprend que les bases. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal au juste à apprendre les bases? Je sais pas. Ce que j'aime sur le practice, c'est qu'on peut frapper de toutes ses forces sans pour autant risquer de gâcher sa partie. Ok. Ah, mais c'est lui, en fait. Il a un point d'exclamation. Alors, gamin, oui, je veux que tu m'apprennes. Ouais, je connais pas, moi. Alors, utilisez nanana pour définir la direction dans laquelle vous frappez votre coup. Ok. D'accord, donc ça, c'est pour la vue aérienne. D'accord. La distance totale d'un coup se mesure en additionnant le carry et la course. Oh là là, vous employez vraiment des termes trop techniques, hein. Activez la jauge de puissance avec nanana, puis appuyez de nouveau sur nanana pour définir la puissance. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Pour que la leçon soit réussie, tu dois marquer au total 60 points. D'accord. Pour ce premier exercice, l'objectif sera de frapper un coup de départ qui permettra sans trop de difficulté de réaliser le par sur ce trou. Ah, le par. Ok, oui, je connais le par. Moi, je connais le birdie, le par, l'aigle. C'est tout. Et le bogey aussi. Après, il y a le double bogey. Bon, le golf, je vous expliquerai un petit peu les règles, hein, pour les gens qui ne comprennent pas trop. Oh, les musiques sont sympas. Bon, bah c'est bon, hein, j'ai compris. Alors, attendez. Donc là, il faut que je prenne un autre club, parce que, attendez, je peux pas faire le max de points. Ah non, c'est 10 qu'il faut que je fasse. Ok, j'avais pas compris. Non, mais parce que au golf, en fait, le but, c'est de faire le moins de points possible. Donc moi, j'allais viser bah, le 7, forcément, et c'est rouge en plus. Alors, attendez. Coup normal. Bam! Sans effet, boum! Allez, joli coup! Wouh! Incroyable! Ah, descend, descend, descend! Stop, 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 stop! Non! Je suis nul! Bon, 7, c'est bien. Alors, attendez. Non, non, attendez, j'ai pas vu! J'ai pas vu! J'ai pas vu! Mais qu'est-ce que... J'ai pas vu! C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! J'avais pas capté! Mais il fallait que je fasse 60 points. Bah oui, mais je comprenais pas, alors attends. Attendez. Je peux pas, genre, changer le club? Ah, je peux incliner. Alors, attends. Je peux zoomer avec R. Oui, bon, là, je zoome trop, quand même. Allez, hop. Clac. Boum. Joli coup. Incroyable. En plus, il y a une VF incroyable. Bon, c'était comme ça dans les anciens Mario Golf, hein. Voilà. Là, c'est un bon coup, quand même. Alors, quatrième coup. On y va. Clac. Boum! Joli coup! Bah ouais, mais moi j'ai un timing de malade en fait! Ouais, je suis pas dans la zone là. Ah bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On y va comme ça. Bam! Joli coup! Mais oui, merci monsieur! Merci Alain! On va l'appeler Alain l'annonceur. Ok. Bah attendez, mais il y a combien de... Ah, on peut faire des avances rapides! J'avais pas capté. Alors attends. Alors ça s'est bien passé? Tu as réussi à atteindre la zone bleue? Bah ouais. Bien, pour le second exercice, nous jouerons encore 5 drives. Ok. Mais en visant cette fois-ci un birdie sur le trou avec un jeu plus agressif. Ouais. Alors là, il faut que j'aille plus loin. Ok, bon, j'ai compris. Bam! Boum! Joli coup! On fait attention au bunker quand même, de pas tomber dans le sable. Ça serait un peu bête. Mais voilà, c'est le 10! C'est le 10. Incroyable. Alors, attendez. Non, mais... C'est trop loin. Donnez-moi un autre club, non? Il me donne des clubs de nul aussi. Je suis pas un nul, moi. Je suis un pro du golf, regardez. Je fais que des jolis coups. Bon, en même temps, c'est très facile, hein. Je vais pas mentir. Allez, hop. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, ma balle. Vas-y, voilà. On fait une avance rapide. Plus 10, ça fait plaise. Allez, on continue. On va aller plus vers là-bas. Voilà, au moins on vise le 9, hein, si jamais. Bam! Bam! Allez, avance rapide. Yes! Eh ben voilà le 10! Et là, on a fait le total de points qu'il nous fallait. Maintenant, on va aller vers là-bas. Bam! Ok, super, joli coup, on avance. Yes! Plus 10. Bon, c'est bon là? Non, mais attendez, j'ai fait plus de points qu'il m'en fallait là. Hop. Clac. Clac, et super! Et là, j'ai fait le 10. Ben voilà. Mais c'est simple, en fait. Hein. Joli. Oh, cette position incroyable. 87 points, 400 pièces. Bon, ben, génial. Alors, je suis passé niveau 2. Capacité à envoyer la balle loin. Endurance.
Alors je pense que le mieux c'est d'avoir de l'endurance quand même parce que eh ben, y a un nouveau mode de jeu dans ce Mario Golf Super Rush qui s'appelle le mode Rush, je crois, Golf Rush, un truc du genre. Et du coup, il va falloir courir, et pour courir, il faut de l'endurance. Confirmez l'amélioration de vos aptitudes. Bah ouais, bien sûr. Pourquoi je dirais non? Bravo, tu as obtenu au moins 60 points! Ouais, incroyable. Tu es en train de développer un jeu polyvalent, jeune rookie. Je ne t'autorise pas à m'appeler rookie. Pour améliorer encore la précision de tes coups, tu dois te concentrer à la fois sur le carry et la courbe. Je ne sais pas de quoi tu parles de carry. Moi, la seule carry que je connais, c'est le film, hein, c'est tout. Veux-tu en savoir davantage? Non, je m'en fous. Tais-toi. Alors, il faut que j'aille où maintenant? Bon, bah, là, il y a Bulldozer qui s'entraîne à faire je ne sais pas quoi, parce qu'il tape même pas la balle. Hein. Regardez, la balle est là. Ouais, fais pas genre. Tu rates, en fait. Regardez-le! Quel nul. Quel nul. Quel nulos. Alors, maintenant, on peut passer à la deuxième leçon. Tu veux avoir des explications sur les commandes de base? Bah ouais. Une approche est un coup frappé depuis l'extérieur du green vers le trou, qui vise à faire s'arrêter la balle sur le green. Lorsque tu utilises un des trois wedges. Oh là là, mais de quoi il parle? Pour effectuer un demi-swing dont la portée sera réduite de moitié. Ok, bon d'accord. De toute façon, je vais apprendre sur le terrain. Hein. Ça va être encore un mini-jeu avec des zones, j'ai l'impression. D'accord, et c'est quoi le mieux? Faut que j'aille où en fait? Attendez. Faut que j'aille dans la zone bleue, on est d'accord? Attendez, oula, oula, oula! Non mais c'est trop, monsieur. Alors. Ah, je peux changer! D'accord, je peux changer. Ah, c'est tout de suite plus intéressant. D'accord, bon, il faut pas que je fasse le truc à 60. Allez, c'est parti. Clac. Bam. Là, on est bon. Stop, stop. Oh là 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 là. My god. J'ai tout défoncé. Allez, hop. C'est parti. Clac. Nous, on y va. On est des fous. Non, merde. Attends, non. Oh, ah, ça va, en fait. D'accord, en fait, il faut juste s'arrêter. Mince. Oupsie, j'ai raté. Oh, oh là là. J'ai tapé le truc. Trop bien. J'ai tapé le drapeau, elle est tombée directement dans le trou. Bon, c'est la chance du débutant, on va dire. Bon, allez, tais-toi. C'est bon, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus loin. Arrête de te foutre de moi. Allez, attention, bam. Sans effet, boum. Allez, hop, hop, hop. Ça rentre, ça. Non, 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 non. Trop loin. Aïe, 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 aïe. L'erreur du joueur français. Mince. Alors, hop. Attention. Là, c'est une belle approche, ça. Vous avez jamais vu mieux. Ok, stop. Joli. Plus 8. Allez, hop. Clac. Bon, là, pour l'instant, c'est un petit peu les bases. Hein, parce que moi, je connais pas, donc j'apprends sur le terrain. Et ben voilà, 16. Parfait. Joli. Oh, les musiques sont trop bien. Tu as réussi, tâche de ne jamais oublier ce que tu as appris sur les coups d'approche en pente. Ah! Les approches en descente sont les plus délicates à jouer car il est facile de dépasser le trou. D'accord, ok, ok. Bon, je vais faire attention, vous en faites pas. Alors, bon, bah, hop, on va se mettre un petit peu plus loin du drapeau, du coup. Bah voilà, là, on est bon. Non, stop! Ah, mais en fait, ça va, il nous donne beaucoup de marge de points, quand même. Voilà. Stop. Oh là 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 là. Presque il rentrait en un coup, en one shot. Ok, 9e coup. Bon, bah cette fois-ci, on se met à côté du drapeau. Alors attention, est-ce que je l'ai? Eh ben non. Eh ben non, bah ça sort. Je fais des coups trop puissants. Ça va être mon problème dans le jeu, je pense. À chaque fois, je vais trop vite en besogne et j'utilise trop de puissance dans mes coups. Alors, et ben voilà, endurance encore. Confirmer l'aptitude, oui. Encore une leçon réussie. Voilà qui conclut la leçon sur les approches. Mais je te conseille vivement de continuer à t'entraîner. D'accord. Toi, tu as quoi? Tu veux travailler tes putts? Alors, c'est quoi les putts? Les putts, les putts, je ne sais pas. Pour jouer un putt, il faut davantage de précision que d'autres types de coups. Je crois que le putt, c'est pour rentrer... Ouais, c'est pour rentrer la balle, c'est ça. J'ai capté, c'est bon. Plaçons la cible à 5 mètres de la balle. Imagine ensuite un cercle de 1 mètre de diamètre autour du trou. Ok. Ah ouais, non mais attendez, ça va être chaud. Bon, moi je la rentre direct. Allez, on va essayer de les rentrer dans le trou.
C'est le but du golf, hein, voilà. Pour tous les gens qui ne connaissent pas. Allez, voilà, comme ça. Clac. Ah, il n'y a pas... Oh là là! Allez, la chance. J'ai cru qu'il y avait une deuxième jauge, en fait. Mais en fait, quand tu fais un putt, t'as juste besoin de la première jauge. Bon, ça va, les putts, c'est facile à faire. Hein. Voilà, il faut juste du timing. Mais oui, voilà, 30. Bah voilà. J'ai fait un perfect. Alors, bon là, c'est un petit peu plus loin, quand même. Non, mais ça va, c'est easy. En plus, c'est pas comme si on était sur un terrain très courbé ou quelque chose du genre. Là, c'est vraiment du plat. Allez. Voilà. Super. Elle est rentrée ou pas? Ah non, je crois qu'elle est pas rentrée, en fait. Allez, vas-y. Voilà, super. C'est réussi, mais tu devras continuer à t'entraîner pour parfaitement maîtriser cette technique. D'accord, d'accord. Donc, un putt à 5 mètres. Très bien. Bon, eh ben, on va essayer de se mettre un petit peu plus loin. Bah voilà, c'est mieux. C'est carrément mieux. Allez, hop. Bah oui, j'ai juste à faire la même jauge à chaque fois, en fait. C'est quoi ce délire? Bon, là, je suis un petit peu trop fort. Non, c'est bon. Ok. On peut même faire une avance rapide, je crois, pendant que le perso, il fait sa petite animation de victoire. Alors, eh ben là, on va améliorer la vitesse. Voilà. Beau toucher de balle, tu as l'air de maîtriser les putts en descente. Eh ben voilà. Alors, Rookie, tu veux travailler tes putts? Non, je m'en fous. Bon, ben voilà, on a terminé. Les trois leçons, incroyable. On va pouvoir s'en aller. Bon, lui, il a toujours pas compris hein, qu'il fallait taper la balle, visiblement. Où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Il faut que j'aille là-bas. Bon, bah écoutez, on est parti. Hein. Alors, tu as fini les leçons? Très bien. Moi, je teste ensuite les joueurs sur quelques trous pour voir s'ils ont bien tout assimilé. D'accord, bah écoute, c'est parti. Bon, après, là, ça va, il n'y a pas de vent et tout, parce que je sais qu'après, tu peux avoir du vent. Là, c'était plutôt simple, ce qu'on a fait. Mais après, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de facteurs aléatoires et de facteurs divers qu'on doit prendre en compte. Allez, c'est parti. Notre vrai premier parcours. Attention, 3, 2, 1, ok c'est parti, bon ben c'est cool, hein. Moi j'aime bien. Alors là du coup, le meilleur c'est le DR, c'est celui qui va le plus loin. Bon ben écoute, nous on y va à fond, hein, dès le début. 300 effets, ah mince, regardez vous avez vu, parce que comme j'ai joué comme un naze, en fait elle a dévié, aïe aïe aïe, rough, ok on est dans le rough, mince, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Mince, pourquoi elle a dévié encore? Non, non, descends! Descends, pourquoi elle a dévié? Je comprends pas. Oh là là, bunker, eh ben génial. Donc là, il va falloir que je sorte. Attendez, attendez, c'est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît, là. Clac. Bam. Mais je comprends pas pourquoi il y a un petit facteur joli rattrapage. Ok, bon, ça c'est bien, merci, monsieur. Hop. Nickel, eh ben voilà. Par. Donc là, le par, c'est qu'on a... Gagner 0 points, on a perdu 0 points, on a fait un 0 quoi. Donc ça c'est bien. Trou 2. Bon bah écoutez, on est parti hein. Bon cette fois-ci, je vais essayer de bien faire mes jauges. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a un petit symbole attention? Allez hop, on avance. Fairway. Ok, le fairway c'est genre le truc basique quoi. Par contre, attendez, je vais aller dans l'arbre là. C'est pas bien. Faut pas que j'aille dans l'arbre. Je vais me mettre là. Par contre, est-ce qu'on peut... Ah, quoique, attendez, si je fais ça... Genre, je ne touche pas l'arbre. Je touche que le feuillage, quoi. Ah, ben c'est bien. Ben voilà, nickel. Très bien, sur le green. Putt de birdie. Allez, c'est parti. On va faire un birdie, si on y arrive. On va se mettre comme ça, voilà. Clac. Allez, go, 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 monsieur. Non! Presque, oh là là. Voilà, super. Joli part. Ok, joli part. Mais merci, monsieur. Ok, cool. Trou numéro 3. J'aime bien le golf. Dans ma vie, j'ai jamais fait de golf. J'ai fait que du mini-golf. Attention. Parce que je suis pas assez riche pour faire du vrai golf. C'est trop de matos. Alors, attendez. Le mieux, c'est de faire quoi, là? en descente. Ouais, on va faire comme ça. Hein. Allez, hop. On y va.
Ah mince, mais oui, mais je suis bête. Il fallait que... Ah, un peu débile. C'est pas un bon coup que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Troisième coup. Ah, je crois que j'ai fait un bogey là. C'est-à-dire que je vais gagner un point. Ah non, c'est un par. Ok, bon, ça c'est cool. Si on fait un bogey, c'est nul. Si on fait que des parts, c'est bien par contre. Et ben voilà. 700 pièces. Bon, franchement, je pense que je suis prêt à affronter tous les boss du jeu. Hein. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Précision. Capacité à frapper la balle bien droit. Ah, ça c'est bien ça. Bah voilà, on va faire tout ça. C'est bon. Confirmer l'amélioration de vos aptitudes. Bah ouais, c'est très bien. Comme ça, on va être bien précis la prochaine fois. Bravo, tu maîtrises les bases et tu as réussi le test. Le défi suivant t'attend. On enchaîne donc tout de suite sur le second test. Cette fois, tu dois jouer 3 trous en temps limité. Tu as 10 minutes pour terminer un par 3 et un par 4 et un par 5 en obtenant un score total de 3 coups au-dessus du par ou mieux. C'est du speed golf, alors tu vas aussi devoir courir jusqu'à ta balle après chaque coup. Tu es prêt? Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Mario Golf Super Rush. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Voilà, on aura terminé les bases et on va découvrir le speed golf la prochaine fois. J'espère que ça va être super cool. En tout cas, on se retrouve, eh bien, écoutez, demain pour la suite. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao !